Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. J'espère que vous allez bien. Alors, merci beaucoup à Zaris Gam. Donc merci à toi pour ton très long commentaire que je n'ai pas pu, on va dire, apprécier dans son ensemble. Puisque je n'ai pas pu tourner l'épisode de Xenoblade Chronicles X après que tu me l'aies posté. C'est donc le premier que je tourne. Et je vais aller voir ce que tu m'as dit pour que je puisse mettre, on va dire, des images sur tes mots pour que bien je comprenne tout ce que tu me dises. Notamment au niveau de l'allée des armes, des bestiaires des ennemis, résistance des persos, la stabilité, donc c'est pour les armes. Et la sélection des squads. Alors du coup j'ai mis en solo hein, parce que je ne jouerai pas en multijoueur. Mais tu m'as bien expliqué qu'il y avait du coup un mode multijoueur. Est-ce qu'on joue en local avec des vrais gens? En multijoueur? Multijoueur actif, multijoueur passif? Je pense que c'est ça. Hein. On doit pouvoir jouer en ligne. On doit pouvoir jouer avec du multijoueur en local. Mais ce ne sera pas mon cas. De toute façon on ne peut plus jouer en ligne il me semble. Donc, message du QG pour commencer une mission principale acceptée dans la caserne du Blade. Là, c'est ça, c'est ça. Nous étions des soldats, pas de conditions spécifiques, destination principale, niveau requis n'est pas atteint. Je ne peux pas faire ça. Ok. Où est le chapitre que je dois faire? Examiner, il y a une mission, là, c'est ça. Chapitre 4, la progression requise n'est pas atteinte. Explorer 15% de Primordia. Ok, ok. Alors j'ai pas tout compris, elle est où l'histoire principale? Elle est où l'histoire principale? Est-ce que c'est l'histoire principale ça? Non. Je ne pense pas que ce soit le principal ça. Ça doit être juste des missions Blade. Bon. Si tu pouvais m'éclairer un petit peu sur ce que c'est les missions Blade. Ce serait sympathique de ta part, en plus de ça. Des tickets qui permettent d'avoir plus facilement les ressources ennemies. Tu as une mission secondaire, ok. Stabilité, la résistance. Bon boulot, blablabla. Bla bla. Bon, toi, viens là. Voilà, hop. Salutations au public. John. Bonjour, John. Allez, hop. Recruter cet agent du Blade pendant un certain temps. Vas-y. Vas-y mon coco, je sais pas ce que ça va changer. Là, je peux te mettre dans mon équipe, c'est ça? Ah, je peux te mettre là. Ok. Y a pas de majuscule. Bon, je te vire. Hop. Faut qu'on soit 4 peut-être par contre. C'est probable qu'on doive être 4. On a un gars qui s'appelle Link. Je ne peux que le prendre. Je ne peux prendre que ça. Prospecter, recruter. Ah mais c'est ça, il a notre touche en fait. Niveau 9. Temps restant 30 minutes. Je comprends rien. Je comprends rien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Je suis pas sûr. Comment je vois ma quête, moi? Mission. J'ai lancé sur vos sondes. Mon tour parmi nous. Là, c'est les missions secondaires. Équipe. Pourquoi je comprends rien? C'est moi qui suis débile ou... Faut que je recrute un quatrième monsieur. Bon, je me casse. Je vais me casser. Je vais me barrer de là. La sortie, c'est là. Je me barre. Oui. On va aller voir l'armée des. L'allée des armes là et ça sera bien mieux. Ça sera bien mieux. Comme ça, je vais pouvoir voir tes trucs. Ce que tu me dis. Avec la superbe musique. Alors, l'allée des armes, si je ne m'abuse, c'est ici. Donc tu me dis, c'est très important dans le jeu. Alors ça, je suis d'accord avec toi.
Cœur du jeu, c'est 90% d'exploration et 10% ce qui se passe dans l'allée des armes. Ok, donc un dixième du jeu à peu près, d'après toi. Très bien. Je note. Dans le terminal UA, c'est celui-là. Est-ce que c'est ça le terminal UA? Oui, terminal UA. Mettre à jour les caractéristiques de combat. Mettre à jour les caractéristiques de combat, ouais. Est très utile en début de jeu quand on n'a pas de bons équipements, selon moi. Ok, équipement équipé. Mettre à jour, ça fait quoi? Prix de vente. Non, je peux pas mettre à jour là. Ok, mais je peux avec des matériaux augmenter ça, très bien. Donc je vais pouvoir faire ça. Théroïde, coup critique plus 1. Booste les chances de coup critique de 2 contre les ennemis de Théroïde. Ok, donc ça fait que ça, j'ai 4 quoi. Ben vas-y. Ah, je peux améliorer encore? Mais ça me coûte des sous? Ah non, ça me demande la fourrure épaisse, ok. Ben vas-y, hein. Je peux le faire 5 fois, donc autant qu'on va le faire. Et body survie. Attaque au cac, boost les attaques au corps à corps. Ok. Ben, je peux le faire 2 fois, donc on va le faire. Très bien. Je vais pouvoir le faire pour Elma aussi. Double d'attaque, attaque à distance plus 1. On va le faire une fois. Lame en fer, attaque au cac. Ok. Vas-y. Eline. Bouclier en fer. Booste la résistance au sursaut. Très bien. Et a priori, j'ai plein de sous. Équipement scale, je n'ai rien. Équipement non équipé. Ok, ça sert à rien que j'améliore des trucs que j'équipe pas. Ok, donc ça, merci. Je te conseille de bien regarder le bestiaire pour la résistance et faiblesse des ennemis de chaque zone. Alors, où est-ce que je trouve ça, moi? Le bestiaire. Information, je suppose. Bestiaire. Tous les ennemis. Alors, pourquoi le bestiaire? Pour les résistances et faiblesses des ennemis dans chaque zone. Le type d'attaque que les ennemis font se trouve juste au-dessus de leur barre de vie, que ce soit physique, éther, etc. Ouais, donc ça, c'est comme dans Xenoblade Chronicles 2, quoi. Mais un peu plus complexe, j'ai quand même l'impression. Un ennemi qui fait une attaque de type éther, vaut mieux avoir un équipement avec des résistances élevées de type éther. Ok. Mais est-ce que je peux changer d'équipement en plein combat? Enfin, je dois en avoir sur moi, je peux le changer comme ça ou je dois être ici? Là, par exemple, si je prends un Grex juvénile, par exemple. Au niveau 1 à 10, j'ai 5 victoires contre ça, très bien. Il me donne de la fourrure boueuse, ok. Là, j'ai pas le... Ah si, voilà, là j'ai ses attaques, résistance. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va y aller au feeling, hein. Non, je regarderai quand on sera en jeu, mais... Ça m'a l'air d'être... ultra complexe, hein. Bon. Ok. Donc ça, c'est cool. La partie technique. Parce que c'était pas technique, ça, d'accord. Les résistances des persos sont en pourcent. Donc priorise cela. Non, je rigole. Hein, ne te vexe pas. Le bestiaire, c'est... Je comprends ce que tu veux dire dans technique. C'est sur les compétences, quoi. Alors que là, c'est les ennemis. Donc... Les résistances des persos sont en pourcentage, donc priorise cela. Ok, donc ça c'est du coup, a priori, je peux acheter des équipements. Et si je prends... Où est-ce que j'ai la résistance? C'est défense? Non. Les stats défense est obscur car je ne vois pas vraiment l'intérêt à cause des résistances. Ok. Et du coup j'ai des résistances quelque part. Booster potentiel et emplacement vide. C'est marqué quelque part les résistances. Oui, c'est les icônes en blanc là. Bleu, violet. Les 6 icônes qu'on a en dessous de Sakuraba Industries. C'est ça les résistances. Ouais, c'est ça, résistance. Elles sont là-bas, ouais. Donc c'est ça qui augmente. Ok. C'est ça. Donc les résistances sont en pourcentage. Donc vaut mieux avoir des résistances élevées. Ok. Là par exemple, je résiste beaucoup à ce qu'il y a en bas là, le bleu. Non, moins 70. Donc c'est pas bon. Pourquoi c'est bon? Ouais, c'est ça, non, c'est de la merde, je résiste pas du tout en fait. Là ça m'augmente mais je passe à moins 55. J'ai vraiment zéro résistance. Je suppose que c'est de l'eau et pour de la flotte c'est des tubas quoi. Je pense à un truc comme ça. Ok.
Donc, a priori, si lui est plus cher, il est mieux. Plus 20, moins 5. C'est pas forcément le cas. Hein. Là, ça augmente ma résistance globale, je pense. Mais il est très très moche comme truc. Bon, celui-là, il est pas très beau non plus. Mais... Bon, pour le moment, on va rester comme ça. Mais, très bien. On essaiera d'augmenter les résistances. Très bien. Stabilité, c'est le chiffre que tes armes font. Par exemple, t'as une arme qui fait entre 21 et 40. Donc, plus le chiffre de stabilité est petit, plus le chiffre de son arme sera stable. Qui ne fait pas le yo-yo avec les chiffres d'attaque. J'espère que tu as compris. Ok, ouais, donc c'est la probabilité de faire... Enfin, c'est l'écart type, quoi. Ça n'a pas sur la stable. Donc, plus la stabilité est élevée, plus elle restera entre 21 et 40, mais le même, quoi. Ok. Donc, vaut mieux avoir une stabilité assez haute, quoi. C'est la précision, on pourrait dire. Dans l'allée des armes, tu as une mission secondaire qui n'est pas encore disponible, mais dès qu'il sera disponible, je te conseille de la faire. Ok, ok. La sélection des squads, on a dit en solo, donc on s'en fout. Et tu as aussi les tickets qui te permettent d'avoir plus facilement des ressources d'ennemis. Ok, très bien. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Quelqu'un a quitté les squads, Tarek. Mais qui est-ce? Je n'en sais foutre rien. Tous les membres du Blade, je m'en fous. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. C'est quoi les missions? J'irai demander à Kisby des informations sur Frontière Nave. Ah, mais ça, il faut que je le fasse. J'étais allé la voir. Ça ne me dit rien. C'est quoi ma mission principale? Réussir tous les objectifs. Installer une sonde de recherche G1, explorer la caverne de pierre. Mais c'était une autre mission de L, là. Mais j'étais allé la voir là, on s'en fout. Mission escouade. Faut peut-être que je fasse une mission escouade, hein. Je suis complètement perdu. Information. Info. Non. Paramètres. Équipe. Je suis complètement perdu. Je m'en rappelle tellement pas. Change d'arme, sauter. Je peux pas avoir le statut. Je me rappelle pas de quand je m'étais arrêté. D'où je m'étais arrêté, ce que je dois faire. Ah, elle est peut-être la démission, ici. Prévenez Leonora que votre niveau Blade augmente, elle vous apprendra de nouvelles compétences et aussi des récompenses. Tu es apparemment déjà bien parti pour te faire un nom. J'ai entendu des rumeurs autour des quartiers généraux du Blade. Un jour, tu tues des Xenos hostiles et l'autre, tu adoptes les espèces de friandises sur pattes. Ah, mais je ne t'ai pas arrêté pour papoter. Le commandant Vanda m'a chargé de te dire quelque chose si je te croisais. Alors, je vais allumer la lumière, parce que je vois rien. Hop. Tu as déjà entendu parler des niveaux Blade? Non. Oh, génial, je suis heureux de ne pas avoir préparé ce discours pour rien. On assigne le premier niveau Blade aux nouvelles recrues, ce ne sont que des débutants après tout. Puis, plus ils font de mission, plus leur niveau augmente. C'est une sorte de baromètre qui évalue sa contribution en tant que membre du Blade. Ok. Niveau 10 est le meilleur, il est réservé aux piles électriques et aux maîtres du terrain, ce sont les agents qui figurent dans les annales. Puis viennent les points de division, ça te dit quelque chose. Toujours pas. Non, d'accord. Mais tu connais les différentes divisions, n'est-ce pas? Les 8 divisions du Blade ont chacune un rôle important à jouer sur Myra, comme par exemple étendre frontières naves, chasser les indigènes, récupérer les objets de la Grande Blanche, tout ça. Lorsqu'un agent réalise une tâche, on lui accorde un nombre de points en fonction de sa performance. Ce sont les points de division dont je t'ai parlé. Tu le sais sûrement, mais pour augmenter ton niveau Blade, tu dois amasser des points de division. La bonne nouvelle est que peu importe la nature de la mission, tu obtiendras des points, c'est simple. Hein. Déclarer pouvoir attendre le niveau 10 en un temps, demander à Eleanora quels sont les avantages d'accéder à un niveau plus élevé. Célébrité, honneur, gloire, sans parler de bonus juteux. Mais je t'en dis pas plus, ça te fera une surprise, c'est plus amusant comme ça. Pourquoi ne pas d'abord essayer un niveau 2? Reviens me voir quand tu l'auras atteint, ton bonus t'atteindra. Ok, les bases du niveau Blade, écoutez les explications. On va accepter. Ok. Parler à Leonard dans le Hall Blade du quartier administratif. Ouais. Et attends, tu es déjà passé au niveau supérieur? Ah, j'ai déjà fait le niveau 2, très bien. J'en étais sûr, tu n'es pas un amateur, c'est certain. Eh bien, je vais quand même te faire mon topo au cas où. C'est parce que j'ai dû faire la mission Frontière Nave la dernière fois. Dès que tu montes d'un niveau, viens me voir. Une fois que j'aurai vérifié ton statut, je pourrai te donner un super bonus. Commençons par un cadeau pour célébrer ton passage au niveau 2. Félicitations. Projecteur à l'hologramme ajouté. Un nouveau projecteur à hologramme est disponible dans la caserne du Blade. Peut-être affiché à l'hologalerie. Tu as jeté un œil à ton bonus. Je te donnerai toutes sortes de choses pour découvrir et customiser tes casernes. Après tout, c'est le seul endroit sur Myra que tu peux considérer comme ta maison.
et tu peux la rendre plus chaleureuse en refaisant la décoration à ton goût. Tu ne t'attendras pas à ce que la part de Van Damme paraît. Tu ne t'attendais pas à ça de la... Ouais, il n'est pas du genre décorateur d'intérieur. Ouais, non. La vérité, c'est qu'une pétition est apparue il y a environ un mois et une centaine d'agents l'a signée. Mais je m'éloigne du sujet, revenons-en à nos moutons. Il y a un bonus supplémentaire, hein, qui va certainement plus intéresser que la décoration. Je vais augmenter ton niveau de compétence. Il y a trois domaines de compétences, mécaniques, biologiques ou archéologiques. Ils sont tous assez rudimentaires pour l'instant et tu es prêt à aller de l'avant. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Tu peux également choisir d'augmenter l'une de tes compétences de terrain. Tu penses peut-être que c'est un peu bas de notre part de nous en faire choisir qu'une à la fois, mais crois-le ou non, c'est pour votre bien à tous. Leur faire apprendre trop de compétences à la fois tend à les embrouiller et les accabler plutôt qu'à les aider. Et elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Quelqu'un pourrait s'en apparaître, pirater d'ordinateur à la tour du Blade et pourront promettre l'humanité. C'est pourquoi les plus hauts niveaux techniques sont réservés aux gens qui font leurs preuves, tels que les agents ayant atteint le plus haut niveau Blade. Bon, ça suffit, il est temps de s'amuser. Quelles compétences de terrain veux-tu qu'on améliore aujourd'hui? Ah. La mécanique, c'est... Ouais, on va faire la mécanique. Voilà, les compétences en mécanique ont officiellement été améliorées. C'est tout pour le bonus et pour l'explication. Ça, c'est quand, si j'ai bien suivi, quand, vous savez, on voit des épaves et tout, on peut les récolter, là. Et on, si on n'a pas un niveau supérieur, je pense qu'on peut pas le faire. Alors, tu es devenu un agent à part entière aujourd'hui, maintenant, sors d'ici et récolte ces points de division. Je te reverrai quand tu auras atteint le niveau 3. Je suis toujours ici, alors en attendant, bonne chance et amuse-toi bien. Ok. Pour commencer une mission principale, acceptez-la dans la caserne du Blade. Ah, ben voilà. Mission principale. Requête de mission. Épouse-moi. Mission de base. C'est pas la caserne du Blade, ça, si? Non. Ça, c'est pas des missions principales. Il lui manque les matériaux nécessaires pour réparer les scales et les machines lourdes, s'il vous plaît, amenez du minarium. Message du QG. Attendez, la carte. C'est quoi ça? Camarade, condition de progression, membre exclu. Il y a une mission là, c'est ça? Je regarde le gamepad. Hein. Moi, je veux la carte. Oh, Blade, caserne du Blade, c'est là-bas. Donc, pour commencer une mission principale, acceptez-la dans la caserne du Blade. Mais c'est d'où j'en viens, c'est d'où je viens, non? Ah, ça, c'est donc une mission principale. On va entrer dans la caserne. Est-ce que je peux accepter des missions? Je suis complètement paumé. Je suis paumé de fou. Il reste 3 minutes pour la mission escouade. Ok. Une mission principale. Il n'y a pas des missions principales. Ça, c'est une mission principale? Mission d'entente. Pas du tout. C'est pas une mission d'entente, ça. Mission principale, elles sont où les missions? Où est-ce que je trouve les missions principales? Est-ce que c'est par là? Non, par contre c'est tellement lent ce... Mais après c'est trop rapide, mais si c'est quand même un peu lent. Ah là il y a une mission principale, non? A priori. Chapitre 4. La progression requise n'est pas atteinte. On a fait le chapitre 3 nous déjà? Ben faut croire. Explorer 15% de Primordia, compléter les missions, les bases des niveaux Blade, compléter la mission, j'irai danser vos sondes. Ah! Mission. J'irai danser sur vos sondes, il faut que je la fasse ça du coup. Faut faire ça et les bases du machin. Celle que je viens d'avoir, les bases. Il faut explorer 15% de Primordia. Elle est où Primordia? Comment je vois ça? Monde. Primordia, ah c'est ça, 5,9%. Ok. Bon bah on va faire ça du coup. Très bien, très bien. Pla pla plaf. Je me barre de là, non ça on s'en fout. Attendez, par contre faut vraiment que... Paramètres. Parce que là... Paramètres de la caméra. Vitesse caméra manuelle, vitesse caméra automatique. Merde, attendez. Ajouter les vitesses de poursuite lorsque la caméra est en mode automatique. Attendez. Ah. Vitesse de la caméra par défaut lors de la rotation horizontale. S'il te plaît. Merci. La position du personnage. Ok, c'est un peu plus rapide quand même. Mais c'est pas incroyable non plus. Je peux pas le mettre direct dessus. Alors, installer une... Ok.
Ok. C'est bon, donc là, c'était la mission principale, le chapitre 4 là-bas. Mais je pensais qu'en fait j'en étais au chapitre 3, mais... Bon, pourcentage d'exploration, on est à 1,75% du jeu complet. Et à 5,9 sur Primordia, je vois ça sur le gamepad. Donc, réussir tous les objectifs. Exprimer la caverne de pierre dans Primordia. Installer une sonde de recherche G1 sur le site 117 de Frontière Neuve dans Primordia. Alors, Primordia. Je suppose qu'il faut que j'aille sur les points bleus qui clignotent. C'est quoi ça? Comment je m'y téléporte? Je peux pas m'y téléporter? En vrai impossible car... Non, ça on s'en fout. Non... Se téléporter... Je peux pas me téléporter. Comment je me téléporte? Nom de nom. Ah, voilà. Je vais pouvoir faire comme ça. Non. Là, je peux cliquer. Je peux pas me téléporter. Je crois que je pouvais me téléporter. Ah, voilà. Là, je peux. Ok, il faut que je le fasse avec ça. Putain. FN 116. C'est un peu compliqué. Alors, faut que j'utilise le gamepad, donc... Je suis désolé pour vous. Mais je ne peux pas forcément tout vous montrer. Alors là, si par exemple, le grec juvénile, il n'y a rien là. Moi, je suis niveau 9 et niveau 8. Il n'y a absolument rien de... Comme... Il est pas... C'est pas l'éther, il est résistant à rien là. Bam, bam, bam. Hop. Backslash. Ah, il fait un backslash aussi. Je me rappelais plus, tiens. Ah. Il y a du B comme ça, je me rappelais plus. Paf, paf, paf. Il y a du QTE. Backslash. Bam. Pas toujours, du coup. Comment je change d'arme? Ah, merde. Raté, oui. Comment je change d'arme, déjà? Ah, avec X. C'est marqué. Ok, classe C. Ok, on a obtenu une classe. Faut que j'aille par là-bas. De toute façon, il y a la carte. Là, pour le coup. Ok, là, par contre, c'est un peu rapide, peut-être. Mais pourquoi c'était pas aussi rapide tout à l'heure? Je comprends rien. Je comprends rien. Là, c'est peut-être un peu trop rapide. Non, ça va. Niveau 55, il faut juste que je sois plus précis dans... Pour éviter de vous donner le tournis. Ouais, non, c'est trop rapide. Je vais vous foutre la gerbe, là. Paramètres. Modifier les paramètres. Faut que je sois plus lent, tant pis. Parce que pour moi, ça va, mais je pense que pour vous, c'est un peu trop dérangeant. On va mettre entre les deux. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment, vraiment problématique. Je peux sauter, là, vous pensez, ou... Ouais. Tranquille. J'ai quand même l'impression que ça va être chaud. Mais arrêtez de me dire que vous rejoignez les escouades, je m'en bats les steaks. Ah! Non mais les poules là, on arrête là. Non mais ils le font exprès en fait. Par contre niveau 23 c'est beaucoup trop haut. Hein. Mais on est d'accord que ça n'a strictement rien changé là. C'est aussi rapide que... Je comprends que dalle. C'est peut-être la vitesse de la caméra. Ah d'accord, j'ai pas de cran. J'ai pas de chance, j'ai pas de choix. Ah non, hauteur caméra avec zoom. Non, hauteur, on s'en fout. Vitesse de rotation verticale, ça c'est horizontal. Ouais, bon, écoutez, hein. J'ai l'impression que c'est parce qu'on était dans la ville que ça changeait. C'est moi ou il est très très gros là? Ils sont immenses. Il n'y a pas des niveaux 10 là? Sérieux? Je suis perdu là. On va falloir que j'installe un truc de toute façon. Il faut esquiver les chèvres choux. Ah, là, il y a des niveaux 11. Là. Ok, il faut esquiver les points rouges.
Niveau 23, il faut aller aux flèches jaunes. Donc, on n'y est pas. Hein. On est bientôt. On va courir d'ailleurs, tiens. J'ai oublié que je pouvais le faire, mais voilà, vous voyez le rayon rouge là, c'est là qu'il faut aller. Pin, 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 pin. Très bien cette musique. Niveau 18, non mais c'est beaucoup trop par contre. Faites que vous ne me voyez pas. Réserve Miranium. Vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Niveau 1 en mécanique, ouais c'est ça, il faut être niveau 2. Action terrain, succès, parfait. Non, tu ne me vois pas, tu ne m'as pas vu. Bon, maintenant il faut que je change la sonde. Alors, comment je fais ça? Sur le gamepad, changer la sonde, il faut que je joue une, ce soit une G1. Sonde d'extraction, sonde de recherche du coup. Confirmé. Hop, voilà, ça c'est fait. Et explorer la caserne de pierre dans Primordia. Ça c'est un peu à l'autre bout du monde aussi. On va y aller, très bien. Hop. Et du coup, en progression au niveau de la carte, j'en suis à 7,4%. Ok, c'est bien, il nous faut encore explorer au moins ce que j'ai fait. Évidemment, là, il y a du... Il y a du gros trou. N'empêche, c'est magnifique. Hein. Non, mais faut qu'on se le dise. Hein. Le jeu, il a 7 ans quand même. Hein. Si, si, mais disons-le. Il est sorti en 2015, non 2022. Bon, c'était fin 2015 et on est début 2022. Mais... Allez, il a 6 ans. Le jeu a 6 ans. Honnêtement. Honnêtement, c'est classe. Voilà. Alors certes, c'est... certes, c'est... C'est pas du Full HD, 4K, comme on pourrait le vouloir. Voyez, mais vous voyez, c'est lumineux. C'est l'espace est immense, quoi. L'espace est immense. Donc ça, pour le coup, c'est la force de Xenoblade, hein, ces grands paysages et tout. Mais c'est plus ou moins, vous voyez, dans le premier Xenoblade, il y a moins ça parce qu'on est sur Bayonis. Alors c'est quand même immense, hein, on est bien d'accord. Mais on a moins ces horizons-là. Les paysages sont vraiment super atypiques, quoi. Je me demande si on peut y aller tout en haut là-bas. Avec un scale peut-être. Niveau 13, je me tuerais bien des monstres. On est niveau 10 là, c'est pas fou. Un niveau 12. Ah, j'ai une nouvelle compétence, ça fait quoi? Accorde pouvoir critique. Nice. Augmente le niveau du pouvoir critique. Je pense que j'ai peur, c'est qu'il y en a d'autres à côté, donc ils vont nous faire chier, non? Ouais, alors là du coup, on est d'accord. Je fais entre 11 et 12, donc j'ai une pression plutôt sympa, peut-être. Par contre, j'ai pas l'impression de voir de coups problématiques, là, vous voyez. Enfin, de points faibles. Alors, c'est peut-être le machin rose, justement. Aïe. Bien, je l'ai pas vu arriver. Voilà. Ok, mais mes épées, elles font beaucoup plus de dégâts que mon petit pistolet là. Ouais, mon petit pistolet ne sert à rien. Tout prendre. Hop. Ouais, mon petit pistolet ne sert à rien. On va garder les deux armes. Il faut que j'aille là de toute façon. Alors lui, il est immense. On va éviter de se le garder niveau 45. On ne va rien faire. Hop, alors je sais pas si c'est là ou en haut. J'ai l'impression que c'est au-dessus. Donc on va éviter de faire le con. Je peux pas augmenter la carte. Non, je peux pas. Merde. Et vous voyez, il y a des niveaux 12 et des niveaux 13. Ah voilà, lui il me voit avec la vue. Enfin, c'est logique. Il me repère avec la vision. Voilà, on va plutôt s'exprimer correctement. Au lieu de dire de la merde. Parce qu'il me voit avec de la vue, c'est un peu le principe de la vue, quoi. Et ça fait déjà une demi-heure. Le temps passe hyper vite.
Le temps passe hyper vite sur ce Xenoblade. C'est incroyable. On va s'arrêter là pour cet épisode, du coup. Et on se retrouve dans le prochain. Merci à tous de l'avoir suivi. À toutes aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.